Salut tout le monde, c'est Frius et on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Ghost of a Tale. Et sans plus tarder, on y va. Donc là, je continue immédiatement là où je m'étais arrêté. Voilà, donc on va recommencer. Enfin, on va repartir. J'aimerais bien qu'il refasse jour en fait, parce que du coup, c'est vrai qu'on voit pas grand chose. Et c'est pas mal, hein, mais. Mais du coup, ça m'arrangerait, moi. Là, c'est pas une porte. Enfin, en tout cas, c'est pas une vraie porte ou. Parce que là j'ai trois gardes en fait. Un qui est là. Il a pas l'air de dormir hein, cet enfoiré. Il ne dort pas. Ça je me demande si je peux pas y aller dans cette porte. Et puis il y a ce truc là. Hein. La grille a été fermée. Je vous rappelle ma petite mission là, c'est que je dois retrouver. Putain, il y a quatre gardes! Non, il y en a trois. Ah oui, bah celui c'est l'autre là-bas. Putain. Si, je pense qu'il y en a quatre. Je pense qu'il y en a un là aussi. Et ben on va partir là-bas. Ah mais non mais je connais. C'est dommage, je peux pas. Très bien. J'ai de la chance. Donc nous voilà de retour dans cette partie. Donc vous voyez, du coup, il y a bien un cycle jour-nuit. Hein. Et puis pas mal réalisé en plus. Mais apparemment ça ne change pas là au niveau des gardes, tout ça, ça ne change rien. Donc hop, on va monter par là. Faut simplement le suivre. Hop, parce que je vais aller là, je vais me cacher là en attendant. Manque quelque chose d'autre à faire là-bas. Ce qui est bien possible. D'abord, regardez ce qu'il y a par là, hein. Hop là, eh bien je sais ce qu'il y a par là du coup. Comment ça se fait que j'avais pas vu ça? Ah, par contre ça commence à être un petit peu sombre. Prendre ma lanterne. Comment ça se fait que j'avais pas vu? Est-ce qu'il y avait donc par là? Allez, yes. Oh la rose. Nouvelle page. Va pas falloir que je me casse la gueule, je vais plutôt aller. Un truc ou plutôt aller là où je comptais aller depuis le début par là et regarde je vais couper ça je sais pas s'il me voit un peu plus en fait quand j'ai ce truc je sais pas trop. Allez, casse-toi. Voilà. Ah, je vois que dalle. Qu'est-ce que je fais? Je vais par là ou je vais par là? Je vais par là. Oh, petit jardin. Et hop, je prends tout. Il manque plus le tif belt et puis c'est bon. J'ai pris de la carotte, hein. Chose par là. Une rose. 3 sur 9. J'aime bien le fait de collecter ça. En plus, ça va un petit peu. C'est un petit peu simple, quoi. Nice. Et je peux pas, par contre, aller là-haut. Non, c'est trop haut. À moins que. Ou alors c'est que le jeu ne veut pas.
Non, je pense qu'on ne peut pas. Allez. Ouais, ça me renvoie juste là en fait. Un truc à cramer. Et ça, on peut pas les retirer. Non. Oula, 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 oula. Je peux pas non plus niquer. Pas dégager. Il va me repérer là. C'est un peu chaud là, je voudrais bien cramer ce machin, j'en ai deux à cramer même. Si je saute, tu vas me griller. Non. Ça va. J'ai pas quelque chose à te piquer, toi? Si, ça. Voilà. Allez, on va monter. C'est très sombre. Hein. J'essaie de mettre ça, mais bon, j'aimerais bien me garder mes... Putain de merde. Mes bougies. Il devra pas me voir là. On va monter d'abord. Escaladon, escaladon. Ça, j'ai plus beaucoup de d'huile, hein. Là, hop. Ah dommage, j'ai ouvert ça à la porte. Non. Merde. Pas mal ça. C'est caché sous la table. Hop. Ça regarde un petit peu. Puis il y a deux trucs à cramer là. Je vais attendre qu'il se casse là, je suis complètement taré de faire ça. C'est pas bon du tout de faire ça. Allez, casse-toi. Allez, hop, hop, hop là. Non? Reste là, moi je crame les trucs quand même. Bâtard. Et j'en ai 9 sur 13. 10 maintenant. Ça va, hein, ça va assez vite ces machins. Du fromage, encore une feuille de garde. J'ai toujours pas là. Hop, je crame. Ouais, dès qu'il va se coller là-bas là. Je me casse. Enfin, du coup, je vais aller en haut, quoi. Si j'y arrive, parce que il a l'air d'avoir une sacrée ouïe. Ah, une clé. Qu'est-ce que j'ai eu là? Ouais, the sewers, ok. Non, au niveau des clés là. War Room Chess Key. The key to a chest in the War Room. Hein. Donc là, c'est pour un. Attendez, parce que ça, c'est pareil là, les candles. C'est pour un coffre directement. Cache-toi. C'est pour un coffre dans la salle de guerre. On va y aller dans la salle de guerre. Je sais pas où aller, mais je vais y aller. On y va, on y va, on y va.
Ah, il y a un PNJ là-bas. Il y a un petit PNJ là-bas. Enfin, un petit. Là, je peux l'ouvrir. Key to Silas Scott. Mysterious Rat. Muriden, c'est quoi? Language of the Mist. Something about know your enemy. Think something. The maiden wooden sting. Voilà de quirking. Ah et putain, faut que je cherche la musique. Faut peut-être je vais prendre ça là, la première. Merde, c'était quoi? Celle-là. Un peu de musique. Ouais, c'est carrément sa musique à lui, Mera My Love, donc d'accord. Vas-y, à Lutka. Petite figurine. Black Luca. Silas. The Nail. Yuva Citadel. Cap Beetle from the cage over here. C'est quoi? Ok. Ah, le soleil qui se lève et tout, enfin. Bah, c'est plutôt sympa, hein. C'est plutôt sympa. Là, ça nous laisse un petit peu voir peut-être où c'est qu'on pourra aller ou pas. Parce que je ne pense pas qu'on pourra explorer tout le monde. Hein. C'est quand même un jeu indépendant fait par une personne principalement, avec de l'aide de quelques autres, mais et principalement c'est fait par une personne. Donc je ne pense pas qu'on puisse explorer un grand grand monde. Là, on est plutôt dans cette citadelle et puis voilà, ce qui est déjà relativement bien. Il est quand même super beau hein, comme jeu. Vraiment. Et bien ma foi, ça va être sur cette belle image qu'on va se quitter pour cet épisode. Et hop. Et du coup, j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, ça me tente de plus en plus. Là, c'est vraiment un peu de mystère. Je me demande vraiment si on va retrouver sa femme. Si voilà, il a l'air d'avoir en plus un petit passé avec la Black
Lutka, donc je suppose que c'est un fils mort. En plus, ça doit être marqué. Hein, ça doit être marqué dans les trucs. Attendez, voilà, j'ai ce truc-là. Mera, your wife. Et, non, je me demande. Je croyais que je l'avais, mais en fait, non. Alors, c'est. Thème. Non, bah non, je croyais. J'ai dû rêver, en fait. J'ai cru que j'avais un noir, mais. Un truc noir, mais en fait, non. Alors, je suis bigleux, mais non. Non, non, non. Bon, bah, très bien. Donc, on va se quitter là. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de ce Let's Play qui devient de plus en plus intéressant pour moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!